Après la neige, c'est marrant d'embêter le chat. Hein, Blue, c'était comment la neige? Melba, bah toi, je sais que t'aimes la neige, Melba. Pauvre Charlie, je vais marcher dessus. Muffin, il kiffe la neige aussi. Melba, Blue, la neige, c'était comment? Melba! T'en mêles pas. Alors, Blue, la neige, c'était bien? Un peu froid, hein? Fait froid, la neige, hein? Oui, maman, elle est gelée. Bah oui. Ouais, on embête le chat. Lâche le chat! Lui, il est sur le dos, il est kéblo. Charlie! Patapouf! Oui, mon chacha! Ma oui! Mon gros chat! Oui, toi, tu pues de la bouche, ma fine. Allez, on embête le chat. Mais Melba, t'en mêle pas! Ah voilà. Ah voilà, vous avez énervé Charlie. Melba, t'en mêle pas! Pauvre chacha. Blue, descends, viens là, Melba. Blue, alors la neige? Devant embêter le chat. Oh. Mais non! Mais non! Descendez de là, laissez le chat! Allez, on descend. Nous sommes donc le 21 novembre, il est 18h58. Je vous reprends maintenant. Donc, alors, vous avez vu que il a neigé. Jen est rentrée. Donc, il a neigé. Voilà. Donc, je n'ai pas filmé Blue dans la neige, parce que je vous ai dit que dans la cour, il n'y a pas de lumière. Madame n'a pas eu peur. Voilà. Elle a beaucoup aimé la neige. Hein. Je l'ai posée à la neige. Et elle n'est pas rentrée. Elle a marché dedans, dans l'herbe et tout. Elle est partie dans la neige. Muffin, Melba, comme des fusées, hein, ils kiffent la neige, ils sont partis. Ils s'amusaient bien. Ce soir, après manger, ils sont ressortis. Je n'ai pas ressorti Blue parce qu'il neigeait trop. J'ai pas ressorti Blue. Par contre, Muffin et Melba, ils voulaient plus rentrer. Voilà. D'habitude, ils rentrent et là, ils voulaient pas rentrer. D'accord. Alors, il n'y a pas que les enfants qui font des batailles de boules de neige. Oui, c'est des grands. Bah, en même temps, s'ils écoutent Maria Carey, oui. On va éviter de mettre. Non, ta gueule, Maria. C'est pas encore Noël, les gars. Donc, voilà. Oui, on entend les boules de neige. Là, on entend l'église. Il est 19h. Donc, j'ai allumé le fondant du jour. Donc, le fondant du jour, c'est le fondant laiterie cerisier. Donc, clairement, c'est le dupe du ritual de Sakura. Voilà. Donc, je prends le vlog avant de me mettre au pieu, parce que je suis claquée, clairement. J'ai pas très très bien dormi. J'ai dû m'endormir vers 3 heures. J'ai dû m'endormir vers 3 heures. Ça a été très compliqué pour m'endormir. Voilà. Et puis, j'ai eu une deuxième commande. Voilà. Donc, en gros, ce soir, je dois préparer la commande d'Emmanuel et la commande de Stéphanie. Voilà. J'ai deux commandes à préparer. Et dans les. Dans les deux commandes, il y a des coffrets Girl Power. Hein. Donc, il faut que je découpe les CLP de Vita Magica parce qu'il n'y en a plus. Et il n'y a plus de fondant ouvert. Il n'y a plus de. Il n'y a plus de celle de fondant déjà emballé. Donc, il faut que je découpe les CLP Vita Magica. Et puis voilà. Donc, je vais faire ça. Et puis voilà. Donc, il faudra penser que j'emballe un petit peu. Donc là, clairement, je suis crevée. Je vais me poser un peu. Je ne suis pas tout à fait réveillée. Je suis encore dans le pâté. Chacha, il va manger ses friandises. Chacha! Ah, d'accord. Vous avez vu au début du vlog que Chacha s'est fait prendre à partie par les chiens. Oh, bah lui, alors il était sur le lit. Blue l'attaque, il se met les quatre fers en l'air. C'est Charlie, hein. Il se met les quatre fers en l'air. Et puis il n'arrivait plus à se relever. Il était kéblos sur le dos. J'en pouvais plus. Il s'était bloqué sur le dos, il n'arrivait plus à s'en sortir. Donc voilà. Donc là, voilà. Donc là, oui, donc le site est pas mal visité. Donc merci les Google. Merci les Google. Non, merci les pubs Google. Je rappelle que le site, c'est lesfondantsparfumésdenanou.com et que jusqu'au 30 novembre, 23h59, vous bénéficiez des offres à l'occasion du Black Month, donc du Black November. À partir de 5 euros d'achat minimum, vous avez 5%. À partir de 25 euros d'achat minimum, vous avez 10%. Et à partir de 50 euros d'achat minimum, vous avez 15% de réduction. La réduction s'applique automatiquement dans le panier. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de visites sur le site, mais je n'ai pas de panier abandonné. Je ne comprends pas. Et les ventes, ce sont toujours les mêmes personnes.
Donc c'est un peu bête d'avoir beaucoup de visites pour ne pas convertir en vente. Tant pis. Tant pis. C'est la vie. Après, comme j'ai dit, je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais pourtant, si les gens visitent le site, clairement, j'ai des prix très attractifs. Je pense que mes prix sont compétitifs, hein, clairement. Déjà, beaucoup moins de créatrices de fondants parfumés font des fondants 5 grammes. Mais je trouve que les fondants 5 grammes, c'est plus simple pour tester. Comme ils sont à 80 centimes, c'est plus simple pour tester les fragrances, en fait. Vous en achetez un et puis vous pouvez tester la fragrance. Voilà. Après, bon, je ne fais très peu de fondants. 20 grammes, je ne fais pas toutes les catégories, heureusement. Je fais les catégories qui partent le plus. Quoique le fondant 20 grammes adoucissant, il est quasiment pas parti. Pourtant, le fondant adoucissant part énormément. Charlie, tes friandises? Bah, Charlie. Chacha? Attends. Charlie? Il regarde sa litière désespérément. Ah, fallait qu'il se motive à aller dans la litière. Bah, Chacha? T'as pas le cul dedans, là, hein? T'as juste les pattes avant. Oh, bah, papy, le froid, ça le réussit pas, C'est hein? ça, il a des courbatures. Le froid, c'est le récipient. Donc, faudrait que. Je ne sais pas s'il y aura école demain pour Jen, je dis ça. Puisqu'en fait, déjà, moi, j'ai vu sur le site de ma ville que les bus scolaires ne passeront pas demain, puis à cause de la neige. Donc, ça veut dire que ma nièce n'ira sûrement pas à l'école. Je ne pense pas que mes parents. Parce que ma soeur travaille. Ah non, ma soeur ne travaille pas le vendredi. Mais je ne pense pas que ma soeur l'emmène à l'école, sachant que si les bus scolaires passent pas, il y aura trois pleu-pleu qui habitent pas loin de l'école. Et que l'école est. Surtout, y a surtout les gamins, ils y vont surtout en bus scolaire. Donc, si les bus scolaires passent pas, je pense pas que ma sœur enverra ma nièce à l'école. Et je sais pas. Déjà, Jen m'a dit quand elle est partie, donc il neigeait, et elle dit ça glissait déjà pour aller à l'école. Donc, franchement, j'espère qu'ils ne vont pas ouvrir l'école demain. Franchement, c'est pas cool, hein, clairement, d'ouvrir l'école demain. Les gamins, ils n'ont pas de préau. Ils sont dans la neige en fait. Et s'ils peuvent pas sortir dans la cour, ils restent enfermés dans les classes. C'est pas vraiment des récréations en fait. Donc ils peuvent pas se dégourdir les jambes. Je veux dire, ils peuvent pas se dégourdir les pattes. C'est ça. J'ai trop d'animaux. Et par contre, dérèglement climatique total. Dimanche, ils annoncent 18 degrés. Normal. Voilà. Là, on a 1 degré aujourd'hui, 2 demain, 10 samedi, 18 dimanche. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Après, on s'étonne que tout le monde tombe malade. 19h05. Alors, par contre, je voulais changement de sujet. Je voulais revenir sur ma bouche. Là, la boule a claqué. Je la sens plus. Alors, j'ai mal. On m'a dit faut boire de l'eau et mettre du Sikka Balm. Ça, c'est Swim. J'ai déjà expliqué que le Sikka Balm ne marche pas. Ah, il fait chpouf. J'ai déjà expliqué que le Sikka Balm ne marche pas. Donc, je vais pas le gâcher au prix du mini tube à 8 balles ou 9 balles, je vais pas le gâcher alors que ça ne fonctionne pas clairement. Donc je vais mettre de l'huile d'olive jusqu'à temps que ça se calme. Je bois de l'eau à côté de mon café. Je me force à boire de l'eau en plus de mon café. Voilà, mais non, c'est comme ça. C'est comme si j'étais coupée. Donc ça doit être une gerçure, mais une gerçure qui guérit pas. Et normalement, les gerçures elles le commissure des lèvres, mais là, je sais pas, on a l'impression que regarder ma lèvre, elle est craquée. Là, ouais. Donc, voilà, donc ne faut pas dire de boire de l'eau, je le sais, hein, je sais qu'il faut que je m'hydrate, mais ça sert à rien de me dire faut mettre du Sikka Balm, j'ai déjà expliqué, ça ne fonctionne pas et je vais pas le gâcher au prix du tube. Voilà, si j'ai pas réussi à tenir Blue, désolé, j'ai été interrompue par Blue. Qui est allé dans la litière du chat pour se taper un petit encas. Parce que Charlie a fait chpouf. Et Blue adore ça. Mais c'est un chat, c'est un chien. Et on m'a déjà expliqué que les crottes des chats étaient très happées, avaient une odeur appétante pour les chiens. Donc bon. Mais on va éviter qu'elle les mange. Parce qu'après, elle a bobo bidon. Et voilà. Donc bon. Donc voilà. Donc ça, c'était une petite coupure. Donc pour revenir à mes lèvres. Pour l'instant, l'huile d'olive arrive à calmer.
Mais voilà, je ne vais pas mettre un corps gras de pharmacie, clairement, si ça ne fonctionne pas. Quand j'ai vu le prix du Sikabaume, presque 8 euros, presque 9 euros, le tube, il est grand comme ça. Personnellement, tu l'économises. Si je dis ça fonctionne pas, c'est que ça fonctionne pas. J'ai testé. Faut pas croire que j'ai pas testé et que j'invente. Voilà. Donc, comme quoi, le Sikabaume n'est pas la solution à tout. Voilà. C'est comme on me dit quand je dis que je dors pas, essaye le Donormil. Ouais, mais non. Comment dire que le Donormil, c'est du pipi de chat. Moi, pour que je cligne des yeux, pour que je cligne des yeux, ouais. Pour que je cligne des yeux, il me faut 3 boîtes. Donc 3 boîtes et encore, hein, sachant qu'il y a 10 comprimés par boîte. Il y en a, ils vont prendre un demi. Donormil, ils vont dormir comme des souches. Non, moi, je suis au traitement chimique depuis 19 ans. Non, moi, ça fait 10 ans, ça fait 18 ans que je suis au traitement chimique. C'est pas un truc comme ça qui va m'endormir. C'est comme les trucs à base de plantes. T'as essayé les tisanes, t'as essayé le phytose. Non, mais les gars, si je vous dis que le chimique ne marche pas, c'est pas les plantes qui vont fonctionner. Hein. La médecine douce, ça marche pas chez moi. C'est comme, essaye d'écouter des vidéos musique détente. Mais alors, déjà, dans les musiques détentes, t'as beaucoup de bruit d'eau. Déjà, donc t'as envie de pisser. Je ne regarderai aucune vidéo d'ASMR, encore moins. Ça, c'est un truc qui me stresse. Tu veux pas parler? Bah, tu fais pas de vidéo, en fait. C'est quoi l'intérêt de faire des vidéos? Oui, aujourd'hui, on va offrir un colis. Il n'y a aucun intérêt, les gars. Il n'y a aucun intérêt. Déjà, des fois, on me dit qu'on n'entend pas quand je parle. Alors, pourtant, je gueule. Alors, écoutez, si vous arrivez à entendre de l'ASMR, il faut m'expliquer. Quoi, quand j'arrive, elles ont des micros. Il faut arrêter un petit peu. Faut arrêter. Blue, tu manges quoi? Oh, elle a encore chopé une pistache. Elle me déprime. Blue! Lâche! Lâche la coquille! Lâche! Qu'est-ce que tu me. Lâche! Mais elle casse-couille, celle-là. Oui, ma crevette! Oui, ma crevette! Donc, moi, faut que je sache ce que je vais manger ce soir. Jane a encore des merguez. Plus que deux. Ouais, mais. Ça va te suffire ou tu veux autre chose? Mais je mangerai du pain de mie avec de la mousse de canard. Ouais. Parce que moi, il me reste un bout de panini, donc il faut que je me trouve autre chose. Non, non, non. Il me reste un croc, il me reste 2 crocs de panini. Donc il faut que je me trouve autre chose à côté. Est-ce que tu veux des poissons à l'effin's herbes? Sinon, je peux en faire au four, j'en fais 2, 3. Et puis, comme ça, moi j'ai mangé 2 crocs de panini. Limite, je mange un palet et puis toi, t'en manges 2, quoi. On fera ça. Ouais. Voilà, donc on fera ça. Sinon, il y a du poisson pané normal, hein. Moi, je suis pas très fan du poisson pané, mais donc voilà, bah, faut qu'on trouve à manger, bah oui, c'est compliqué. Donc là, moi, je vais me poser. Désolée, hein, vous glissez. Donc je vais me poser un peu et je m'occuperai des commandes après. Donc les 2 bordereaux sont imprimés, donc ça part demain de ma boîte, quoi. C'est censé partir demain de ma boîte, mais vu la neige, pas sûr que le facteur passe. Donc peut-être que ça partira samedi ou lundi, on ne sait jamais. Parce que si le facteur ne peut pas passer, c'est pas de sa faute. Là, c'est la neige, hein. Clairement, là, il a une excuse, il y a la neige. Donc il peut ne pas passer. Donc on verra bien, je verrai si ça a bougé de ma boîte aux lettres ou non. Si ça n'a pas bougé, bah, j'attendrai, ça restera dans la boîte et j'attendrai que ça parte. Voilà. Donc écoutez, je vous dis, il est 22h59. Je vous reprends. Je suis dans le pâté, littéralement, hein, clairement. J'étais prête à dire sur l'anglais communauté que je ferai un vlog de 2 jours. Mais non, je vais quand même vlogger un petit peu. Et voilà, donc on n'a pas encore mangé. Donc là, je vlogue un peu, puis je mettrai les palets de poisson au four, parce que ça cuit 20 minutes. Comme ça, j'ai le temps de préparer les commandes. Voilà, j'ai le temps de préparer les commandes. Et en fait, j'ai pas fait de découpage, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, dans les coffrets Girl Power, le Vita Magica, il n'y est pas. Pourquoi j'étais persuadée qu'il y était, je sais pas, mais non, il n'y est pas. Donc voilà, donc c'est pas très grave, ça attendra le découpage. Donc voilà, donc je vais donc préparer les commandes. Et puis voilà, donc avec l'aide de Jen. Hein. Jen me dit ce que je dois prendre et moi je me bats dans mes boîtes. Parce que comme ça va plus, c'est à plus vite. Déjà, un, soit elle a du mal à venir, soit elle espère. Voilà. Et donc moi je sais où est quoi. Donc
Donc voilà. Je suis à l'eau. Voilà, je viens de manger des gaufrettes. Hein. J'avais un petit creux. Je ne me sentais pas très bien au réveil. Parce que je me suis réveillée à 22h20. Mais j'ai dû vraiment m'endormir à 21h20 en fait. Parce que les chiens m'ont cassé les bonbons depuis 19h30. Quand je me suis couchée, ils m'ont cassé les bonbons. Ils n'arrêtaient pas de courir. Blue, elle se pose. Puis après, elle me lèche les bras. Puis donc, je lui dis, bah, arrête de me lécher. Elle est encore en train de me lécher. Puis après, elle s'en va. Puis après, ça gratte. Et le truc, c'est quand ça gratte la couette, ça va. On croit que ça fait du bruit. Non, mais tu fais quoi là? Oh! Non mais tu t'excites pas sur maman. Ou alors il gratte mais au niveau de mes fesses. Donc c'est mes fesses qui grattent. Toi tu calmes ton petit cucu, toi, madame là. Madame, je suis excitée là. Non non non, pas de domination avec maman. Ah non non non. Non non, mais il me lèche pas les oreilles. Qu'est-ce qu'il y a Charlie? Quelque chose pour ta défense? Non quoi. Donc là non, pas touche le câble. Oh Blue, s'il te plaît, tu te calmes. Oui mais tu te calmes. Mais là, vous voyez pas, mais elle essaie de s'exciter. Elle essaye, hein. Elle sait qu'elle n'a pas le droit sur maman. Mords-moi le coude. Mais oh. Mais. Qu'est-ce que tu fais? T'es Keblo. T'es pas doué, hein. T'es pas doué, mon chien. Muffin, on avait marre qu'elle s'excite sur elle. Donc. Non, que Muffin, on avait marre qu'elle s'excite sur lui, donc il s'est caché sous la couette. Mais tu veux bien te calmer? Oh. Tu veux que maman te remette dans la neige? Tu veux que maman te remette dans la neige? Je crois que ça te dérangerait pas, toi, d'aller dans la neige. Bah oui, mais non, 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 non. Petit cucu, maman. Tu te calmes. Mais oh, vous voyez ça quand tu veux dormir? Voilà, t'as une boule d'énergie qui te t'embête. Qui soit elle essaie de lécher le nez, la bouche, qui te lèche les bras, les mains. Qui après s'en va et revient. Hein? Hein? Ça s'en va et ça revient, ouais. Oh oui, oh, ça gratte le petit cucu. C'est ta queue, ça. Tu veux mordre ta queue? Attends. Oh, attends. Attends. Je lui gratte la base du dos au niveau de la queue, parce que ça, les chiens ne peuvent pas se gratter, là. Puis elle, la son est tellement petite qu'elle a du mal encore à atteindre ses fesses. Ouf, ouf, ça fait du bien, ça gratouille. Oh oui. Oh quel plaisir. Elle a essayé de se mordre le bout de la queue. Tu veux te mordre le bout de la queue? Tiens. Oh, ben, c'est ta queue. Hein. Quoi, ça te gratte la queue? C'est pas doué. Non. Ça, c'est maman. Bah, Melba. Melba. Quoi, tu veux que je te gratte aussi? Tu veux que je te gratte aussi, ma crevette? Oh. Non, non! J'ai dit non, hein! Oh, encore en train de s'exciter avec maman, hein? Tu fais pas ça. Il n'y a pas de domination avec maman, tu le sais. Vous voyez, quand vous voulez dormir, il y a ça. Voilà, c'est ça tout le temps. Tout le temps. Voilà. Et là, elle essaye de s'exciter. Peux-tu calmer ton petit cucu? Apaise ton âme, mon chien. Apaise ton âme. Voilà, bouge plus. Bouge plus. Très bien. On fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. S'arrête jamais, elle s'arrête jamais. Bon, des fois, ça lui arrive de dormir, hein. Oh, des fois, elle dort bien avec maman. Puis des fois, elle fait chier son monde. Ah, ça va être le genre de jouet. Non, ça, c'est mon PC, tu le mords pas, merci. Melba, elle te proposait sa corde. Blue, Melba, elle te proposait sa corde. Non, ça, c'est maman. Non! Faut que maman elle se fâche. Oh, t'arrêtes avec ta domination, hein. Pas parce que t'es un petit chihuahua au cul de notre coco que, hein. Oui, même toi tu l'as jamais fait. Maman Elba, tu l'as jamais fait, toi. Non, non, non. Oh, calme-toi, calme-toi. Ah, même toi tu l'as jamais fait dès que j'étais sur maman. Oui, William Elba, vous le voyez pas. On la voyait pas, ma Ah bah oui, ah bah non. Non, 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 non. Blue, laisse-la. Et calme-toi. Câlin, maman. Câlin, maman. Câlin, maman.
Mon bébé chien. Mmh. Sonne bon tes pattes. Ils sentent bon tes petits pieds. Tes petits pieds, ils sentent bon. Oui, je sens les pieds de mes chiens, et alors? Ça sent bon les pieds des chiens. Pas comme les chats, hein. Justement, on m'avait posé la question si les pieds des chiens, ça sentait bon. Alors les chiens, ça sent la terre, ça sent la poussière, voilà. Mais quand on dit que les chats, ça pue, mais c'est normal parce que les chats, ça fait dans une litière. Et après, ça gratte. La litière. Tu m'étonnes que ça pue, les pieds des chats. Non mais... Arrête! Non mais t'es chiant, c'est plus drôle à force. Vous voyez pas parce que je rigole parce qu'elle fait des positions pour se faire ça. Pour se frotter, elle fait voilà les positions. T'arrêtes avec ta domination bidon. T'as vraiment une domination bidon, hein. C'est comme toi, de toute façon, t'es un chien bidon, t'es un chihuahua, c'est bidon le chihuahua. Bah oui, le chihuahua, c'est bidon. Oh bah oui. Le chihuahua, c'est bidon. Bah oui. Non mais non, 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 non. Le chihuahua, c'est bidon. Le chihuahua, c'est un chien de pouf. T'es un chien de pouf? T'es un chien de pouf, mon petit tyran domestique. Mon petit tyran cuit de noix de coco. Ouais, faut embêter. Non, t'embêtes pas Melba. T'embêtes pas maman non plus. Bah si, faut embêter tout le monde, sinon c'est pas drôle. Moi, Chacha, il veut dormir, lui. Chacha, il veut dormir. Qu'est-ce qu'il fait, la patte? Ah, il veut jouer, d'accord. C'est-à-dire, pourquoi il a la patte tendue? Tu chopes quoi, Chacha? Une mouche? Oui, je sais. Chacha, il joue avec Jen. Il n'y a plus d'eau, faut que j'aille en mettre. Je vois qu'ils se battent avec la gamelle. Excusez-moi, je regarde Chacha qui est pas doué. Sauf que la Chacha a la queue dans le vide. Ah non. Ah si. J'avais peur que Blue joue avec la queue du chat. Ah, Blue a trouvé un papier. Voilà. C'est un papier de quoi? Je sais pas. Papier de sneakers, c'est la péta. Je mange un sneakers tout à l'heure, elle est partie avec le papier. Bah écoutez. Si ça l'amuse. Si ça l'amuse. Hein. Donc écoutez, je vais faire cuire les palets de poisson et je vous reprendrai après. À toutes. Il est 1h20. Je vous reprends. Donc, on a mangé. J'ai fait la vaisselle. J'ai préparé les commandes. Elles sont dans la boîte. J'ai commencé le montage du vlog. Donc désolée pour cette gueule là. Les cheveux, je sais pas ce qu'ils veulent. Mais en fait, je me suis lavé aux gants. Donc, je me suis aussi lavé le visage avant le corps, bien sûr. Sauf que mes cheveux ont été légèrement touchés. Et puis voilà, mes cheveux ne veulent plus rien savoir. Voilà. Oh putain, cette gueule. Faut que j'arrive à trouver une coiffure à propre. Bah oui, il faut que j'ai coupé. Donc là, voilà. Faut que je trouve en fait mes cheveux. Bah, faut que je les lave demain. Là, j'ai pas voulu les laver ce soir parce qu'il fait froid. J'ai pas envie de choper la crève dans mon appartement. Donc oui, je me suis lavé aux gants. Bien sûr, on commence par le visage. Hein. Ça tombe sous le sens. On va pas se laver le visage après, c'est de laver les fesses. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc en fait, ouais, mes cheveux là, ouais. J'ai des pattes. Donc voilà, donc ce soir moi j'ai fini mon panini, j'ai mangé un panier de poisson à les fines herbes. Jenna a fini ses merguez et a mangé les deux palets de poisson. Voilà, donc là moi donc les commandes sont préparées. Et puis voilà, donc là voilà. Je suis posée, je suis plus trop fatiguée. Voilà, c'est le problème. Voilà, la fatigue est passée. Tout à l'heure, j'étais juste totalement pas réveillée. J'ai mal là, j'ai tellement mal. Donc je sais qu'il faut que je m'hydrate, je vais boire de l'eau, vous inquiétez pas. Mais bon, je regarde la vidéo de Audrey, j'ai fini le vlog de Sandrine. Je regarde la vidéo de Audrey, donc j'ai cru que le collier de Blue était mal mis. En fait, c'est que je l'ai agrandi, et je pensais que j'avais trop agrandi. Madame Mini Tchernobyl. Pourquoi Mini Tchernobyl? Pourquoi Mini Tchernobyl? Parce que quand elle lâche un truc, quand elle fait prout, ah ben je peux vous dire que c'est Tchernobyl, mon Tchernobyl.
Oui, t'es Tchernobyl, machin. Tu pues? Couché, 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 couché. Va pas embêter ma fille. Elle a fait chier Charlie toute la soirée. Elle a fait n'importe quoi. Et moi, le pauvre Charlie, il voulait aller manger. Moi, je préparais les commandes. Je peux pas le permettre qu'il aille sur la table pendant que je prépare les commandes. Puisque je ne veux pas envoyer des poils de chat. Voilà, le but, c'est pas d'envoyer des poils de chat dans les commandes. Voilà. Donc, bien sûr, je nettoie la table avant de faire les commandes. Et après, lui, il a accès à la table. Maintenant, il dort. Il dort, Chacha? Oui, il dort là-bas. Donc voilà, donc Jen ne dort pas. Je vois ça. Donc là, ouais. Il ne neige plus, hein. Clairement, il ne neige plus. Parce que quand j'ai descendu les colis, j'ai regardé la porte de la cour, il neige plus. Je suis même pas sûre encore de la neige demain, clairement. Parce que bon. Oh, c'est une petite tempête hivernale, non, pré-hivernale. Parce que dimanche, on a 18 degrés. Non, mais c'est n'importe quoi. Dimanche, 18 degrés. Aujourd'hui, il faisait 1. Genre, c'est normal. Normal. Je crois qu'il faut arrêter la météo là. Dérèglement climatique, c'est horrible. D'ailleurs, j'ai froid. Donc, je vais aller fermer la fenêtre parce qu'elle est légèrement entrouverte. Parce que Jen a fumé avant de se coucher. Je vais aller fermer la fenêtre. Et limite, je vais mettre un petit peu de chauffage. Ou alors, j'attends de voir. Je vais toucher le chauffage de la fenêtre, voir il est chaud comment. Je pense qu'il doit être bien chaud, donc limite si je ferme la fenêtre, ça devrait aller, ça devrait chauffer. Voilà, donc là, clairement, bah, je finis la vidéo d'Audrey. Je continue le montage du vlog, et puis voilà. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Tirage au sort du fondant de demain, et le gagnant sera Cozy Cashmere, donc une fragrance US. Parfait! Il est 1h44, j'ai fini la vidéo d'Audrey, je suis frigorifiée, j'ai fermé la fenêtre, mais je suis quand même frigorifiée, donc je vais mettre un peu de chauffage, voilà. Où est-ce qu'il est mon chauffage? Je l'ai foutu où? Il est... Allez papy, allez! Allez! Excusez-moi, j'ai allumé un peu le chauffage, le temps que je le retrouve, c'est galère. Voilà, donc j'ai fini la vidéo d'Audrey, j'ai fini le montage du vlog, j'ai fait le tirage au sort du fondant de demain, donc ça sera le fondant Cozy Cashmere, donc une fragrance USA, d'ailleurs qui est un peu sous-cotée, je trouve que les fragrances US sont un peu boudées, voilà, alors que pourtant elles étaient très attendues, au final elles ne sont pas plus attendues que ça, voilà, je suis un peu déçue, mais bon. C'est pas grave, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Moi, je les adore. La 4 carreaux citron, la gâteau pistache, la ambrée coton, la clean coton, la pink sand, tout ça, j'adore. Toutes les fragrances, les trois fragrances à la myrtille, ça c'est. De toute façon, vous savez que la myrtille, c'est ma vie. Entre le fruit, les gâteaux, tout ça, la myrtille, c'est vraiment ma vie. Donc voilà. Regardez quand je vous dis que j'ai froid. Ah non, vous voyez pas. Ah si, j'ai la chair de poule. Des pulls, non, j'ai la chair de poule, pas d'ampoule, non, ça se. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de petit poussin. J'ai la chair de petit poussin. Melba, les pattes en l'air. Melba, t'as les pattes en l'air, mon chien. Mais regardez-moi ça. Quand je vous dis qu'elle a les pattes en l'air. Tu nous fais quoi? Tu fais une choré? Tu t'es pris pour une nageuse synchronisée? Baisse la patte! Petit couillon. Mon gros nez, on a dit qu'on aimait ton gros nez, il paraît. Eh, on aime ton gros nez, il paraît, alors montre-le. Ouais, sois fier de ton gros nez. Sois fier de ton gros nez, mon chien. Petite crotte. Petite crotte. Bouh. Oh. Oh. Oh que t'es belle. Oh t'as des beaux yeux. Ça c'est pour Emmanuel le gros plan pour les beaux yeux.
On se passe du gros plan de ma gueule en revanche. Parce que là, je suis en état de larve absolue, je recommence à fatiguer. Donc je me réchauffe un petit peu. Je m'occupe un petit peu, puis après je vais me coucher. Déjà, il faut que je finisse le montage du vlog et que je le publie. Oh, il sera pas long, une demi-heure à peine, mais tant pis. Voilà. Là, je suis claquée, j'ai vraiment besoin de dormir. Si je peux me coucher à 2h30 maximum, ça serait un miracle. Voilà, ça sera un miracle. Donc, je vais en profiter pour me poser parce que je suis un peu fatiguée. Donc, j'en profite. Voilà, donc là, clairement. Donc, j'ai plus grand-chose à dire. Donc, à part, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bien sûr, les commentaires, si vous ne savez pas quoi dire, mettez des smileys, n'importe quoi, ce que vous voulez. Si possible, en rapport avec le vlog qui montre que vous avez suivi le vlog. Là, en rapport avec le vlog, vous pouvez mettre. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Bah, à part les commandes qu'il y a eu et la neige. Donc, soit des flocons de neige, soit des enveloppes. Voilà, pour montrer que vous avez vu qu'il y avait eu des commandes et que j'avais dû envoyer des commandes. Après, sinon, voilà. Je ne vois pas trop ce qu'on peut mettre en rapport. Parce que j'ai pas beaucoup vlogué en soi, à part la neige. Dire que j'ai froid et que. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Et si vous souhaitez laisser des commentaires, laissez des commentaires. Mais si vous ne savez pas quoi dire, laissez quand même des commentaires en mettant des smileys. C'est pour l'algorithme YouTube, en fait, tout simplement. Voilà. C'est tout simplement pour l'algorithme YouTube, pour que ma vidéo soit présentée le plus possible. D'ailleurs, j'ai perdu 2 abonnés. Donc, nous sommes à 2440, 2402. Et bientôt, je vais redescendre en dessous des 2400 abonnés, je le sens. Malheureusement, c'est comme ça. Je n'arrive pas à garder un abonnement des abonnés réguliers. Voilà, beaucoup, beaucoup s'abonnent pour se désabonner après. Voilà, bah tant pis, ça peut arriver, mais bon, tant pis. Si je pouvais rester à 2400, ça serait bien. Après, si je redescends en dessous, tant pis, parce que je sais que les abonnés qui restent sont des abonnés fidèles ou alors des abonnés fantômes, clairement. Après, comme j'ai dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà. Donc écoutez, je vais clôturer ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!